and get your hand off my hips and kiss my lips, kiss my lips. Kiss me all over. Are you gonna take that risk? Take that risk? Cause we're only getting older. Bibo et Mexico, amigo. Il est l'heure. Allez, c'est parti. On est parti, les gars. C'est parti pour l'invoque. Elle est là. Elle est présente. Tamarine est là. On fait un dernier check. On est bien sur le 5-5-5, les gars. On est parti pour l'invocation de Tamarine. Allez, et c'est parti. Donc là, on s'échauffe un petit peu avec un petit artefact classique. J'aimerais tellement voir du rose, mec. J'aimerais tellement voir du rose. C'est, toi, t'as pas sur du... les bannières. Ah oui, sur les bannières, il n'y en a pas. Si, tu peux faire du rose sur les 4 étoiles. Pourquoi tu peux pas? Y a pas de 4 étoiles? Oh. Non, bon, regarde. Ça change rien, j'aimerais voir du rose, mais j'en verrai jamais. Dommage. Allez, premier proc. On a 5 invoques. Peut-être l'exploit en 5 invoques, ce sera un artefact. Très bien. L'artefact qui tombe, ce sera un Water Origin, ma foi. Pourquoi pas? Je sais pas où t'en étais, Water Origin. Mais ça se prend. C'est pas celui que tu... Ça sera pas de la poudre, peut-être. Allez, on continue sur les artefacts. On aime bien les mobs, quand même. On va pas se mentir, parce que les mobs, voilà, un petit inquisiteur. Là, il y a beaucoup de monde qui invoque, parce qu'on a un petit freeze. Allez, pas de proc, on continue. Une petite Judith des familles, excellent. On est à combien, déjà, là? On est à 10 invoques, donc. Déjà, putain, 10 invoques? On a déjà eu un proc? Assez tôt, hein. Ça sent bon, les gars. Je veux pas dire, mais je veux pas avancer. Là, Momon qui passe. On attend la carotte, les gars. 155 euros, ouais, c'est... Alors nous, on a fait au global, faites-le en Europe aussi, hein, ça peut être drôle, hein. On est parti sur encore un artefact. On veut du proc, là, quand même. Maintenant qu'on a dit à tout le monde de venir sur le triple 5, on veut de la proc. Allez, petit Rima. Aïe, aïe, aïe. On a nos limites, on est d'accord, hein. C'est pas la peine que je stresse sur le compteur, tu la veux. On les fait, hein, Archon, on est d'accord, hein. Ah ouais. Allez, la faut. Coûte que coûte. Allez, la mort de Brune qui est là. Putain, mais là on est sur une longue session de non-proc. Ça veut dire post-coca. Sur les heures en plus. Putain, j'ai bien choisi. Allez, ça c'est fait. On continue. Est-ce que la post-coca va payer ou pas? Aïe, aïe, putain, pas de proc. Ah, le deuxième proc, enfin. Est-ce qu'on a quelque chose de bien? Ce sera... Eh bien, ce sera un mob avec 4 étoiles. Non, c'est pas une petite lagounette avec les 5 étoiles en dernier lieu. Donc, ce sera une rose. GG, Atlank. Il a eu Atlank? J'ai pas vu. Non, 13 poules, Kizé, il vient d'annoncer. GG, mec. GG. Putain, regardez-moi, tu t'as plus droit de râler, mec. Hein. Eh, on a pas fait un truc. Attends, on va faire une petite pause, justement. On a pas été voir qu'est-ce qu'on aura. Donc, c'était là, en plus. C'est quelle est la rotation de la semaine prochaine? Ce sera Serbia. Ah non, on gardera. On gardera ce que pour l'artefact. Ah, l'artefact? Sérieux? Ouais. Rod. Ouais. Moi j'aurais gardé pour Serbia. Hein. Oh, c'est le charme. Bah, j'en ai déjà deux. Tu les as déjà. Bon, ok. Ouais. Donc, pas de mystique pour toi, très bien. Ok, Angel. La semaine prochaine, je te les garde pour la semaine prochaine. Ouais, ça marche, avec plaisir. Bon, on y va. On continue pour la Tamarine. On a eu deux procs. On n'est pas du tout dans les stats. Il va falloir rattraper ça. Galorouside. On attend la carotte. Je crois que ça va être le feu d'envoi. Le signe. On a la Jenna. Ouh, le proc qui déboule. Ah, là c'est bon. Là ça proc. On est content. On a laissé passer un peu toutes les invoques. Et ce sera. Alors, je sais pas ce que c'est. Mais ce n'est pas la bannière. Mais ça peut être sympa. Et ce sera Uber Justus. Donc qui tombe. Premier proc 5 étoiles de la semaine. Un petit Uber Justus qui tombe. Ça se prend. Ça se prend. C'est du 5 nat. Hein. La Tyria. Je guette la carotte. Non, Nemusa. Putain, on va tous les faire. Nemunas. Ah, le proc. Allez, le proc après Nemunas peut-être. Est-ce qu'on peut faire le deuxième proc 5 étoiles? Ce sera un artefact, et ce sera pas de 5 étoiles, donc encore un 4 étoiles. Donc, troisième proc. Le Itans. Oh, proc sur proc, là par contre, tout peut arriver. On oublie ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui se passe? Non, 4 étoiles. Putain. Caladra, c'est bon. Ouh, encore troisième proc d'affilée, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Le jeu devient fou, peut-être qu'il va lâcher la bannière. Non, ça sera un artefact. Encore un Water Origin. Est-ce qu'on peut faire encore
Un quatrième proc, donc calme-toi. Donc là, on a rattrapé toutes les stats possibles et imaginables. Mais ça n'a pas suffi. On est à 87 invocations de Tamarine, s'il te plaît. Allez, on y va. En tout cas, je pense qu'on aura le ML. C'est même sûr. Le deuxième ML. Et là, on verra du rose, j'espère. Tyria qui tombe. Tama dans le chan. Ah, c'est pas la nôtre. C'est qui? Voyons, on va aller voir. Enfin, non, on va pas les voir, on continue. Je suis trop chaud là. Bah, je savais qu'il y avait un proc qui allait arriver. J'allais les voir, je me suis dit non, on y va. Et ce sera un mob, peut-être un proc 5 étoiles, un 5 étoiles à la dernière seconde. Non, pas du tout, c'est un 4 étoiles. C'est quoi que tu voudrais en 4 étoiles? Qu'on fasse des calls un peu. En RGB, rien du tout. Bon, t'as une Angelica, c'est quand même pas mal. Elle doit pas être triple S la tienne. C'est quand même intéressant. Non, elle est pas triple S, ouais. Voilà. Les prix étaient bien. Deuxième proc, les gars, qu'est-ce qui se passe? On s'enflamme. Faut faire mes invoques après, pas de problème, autre fils. On est parti sur un 4 étoiles. Peut-être une petite blagounette, non. Est-ce que ce sera. Bah, de toute façon, tu dis de rien. Donc, ce sera un petit crozé. Bah, écoute, ça sera pour le ML crozé. Hein. Ça se prend. J'en ai mis plein de côté. Bah, écoute, c'est cool. On va aller jusqu'au bout, je pense, de ce que t'as déjà. Donc, on va faire un petit proc avant quand même, faut pas déconner. T'inquiète, autre fils. Je t'ai pas oublié. Voilà, on est sur une longue série d'Arte. Qui est-ce qui tombe? On a préféré Carotte quand même, signe annonçateur. Ok, encore un artefact. Allez, le proc, là on y croit, s'il te plaît, donne-nous-le. Enfin, donne-nous-la, on veut ta marine, on veut de la pop star, s'il te plaît. C'est un mob, un 4 étoiles. Et donc on dit de rien, donc ça sert à rien que je fasse un call. Hein. Ça sera une petite silk. Allez, encore un autre proc. Les gars, c'est bon, en termes de proc, on est bien, on est chaud. Que se passe-t-il avec le proc? Un artefact, donc du coup, voilà. Pour moi, il y a eu 4-5 stars dans la guilde tombée. Allez, encore un proc. Oh là là, c'est dingue. Une Celestine, un Uberius et une Tama. Le 4 étoiles qui proc pas en 5 étoiles, dommage. Donc là, en termes de proc, on est super bien, les gars. On a une petite HATS qui tombe des familles. Je regarde le replay, mais il me semble qu'on a fait deux fois 3 procs d'affilée. Hein. Allez, Jenna, s'il te plaît. Alors, on est sur la dernière ligne droite des 20 invocations. Le proc, est-ce que c'est le bon? On veut le proc, s'il vous plaît. Allez. C'est un 4 étoiles. Non, c'est un 5 étoiles, les gars. On l'a, elle est là. Oh, c'est Tamarine qui déboule. Wouhou. Enfin, la Tamarine du poteau. Elle a été un petit peu longuette, mais elle est là. Elle est présente. La Tamarine est là. Est-ce que t'es content? Oui. Là, tu l'as voulu tellement, oui. Elle est là, quoi. Nice. Elle s'est fait désirer, mais elle est enfin arrivée. Du coup, là, on va arrêter là, donc, je pense, pour le normal. C'est toi qui me dis, hein. Et je te propose qu'on... Pour le normal, ouais. Ça sert à rien, je n'y de rien d'autre, donc... On va aller voir sur le chat un peu comment ça se passe, sur le 555. Donc, Low Lace... Alors, Exomil, donc, qu'il a eu... ma foi... On a eu Leila, donc... Il n'y en a pas eu tant que ça, hein, en fait. Hein. C'est la troisième qui tombe sur le tien. Sachant qu'il n'y a pas que tout sur le tien, hein, évidemment. Tien est ouvert. Bon, c'est très bien. Donc, du coup, on va aller chercher le deuxième ML. Alors, pour le ML, on va changer. Je pense qu'on va aller soit sur le 32, soit sur le 42. C'est toi qui décides, du coup. Comme tu sens. Je te suis, 100%. J'ai envie d'aller sur le 42, quand même. Pour l'instant, moi, il m'a bien régalé. Donc les gars, on est sur du ML. Alors je vous ai pas du tout lu les gars, excusez-moi, j'étais très concentré pour régaler le poteau. Est-ce que sur le ML, vous sentez quelque chose de spécial? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Ce qui serait énorme, c'est qu'il puisse garder ses mystiques. Donc en gros, une petite judge qui sait, des familles, qui déboule. Ça serait bien. Qu'est-ce que tu voudrais en 4 étoiles sinon? Qu'est-ce que j'aimerais? Je sais pas, un petit Corvus serait pas mal, un petit Vildred. Enfin, il y en a plusieurs, j'en ai tellement peu qu'il y en a beaucoup de très bons. Grimidi, tu devrais faire un tuto sur les tchans pour ce mode. Mais non, je suis pas. Non, mais en 4 étoiles sinon, qu'est-ce qui t'intéresserait? En 4 étoiles? Ah ouais, alors par contre, en 4 étoiles, il me faut Lot, Dominiel. Ouais. Une Crimson serait pas mal aussi. Ok. Là déjà t'es bien. Mais l'autre Dominiel c'est ouais. Ok. Donc là on voit du Dom, du Cartouja. Qu'est-ce que vous le conseillez alors? Regarde dans Guild. Ah c'est tombé dans Guild aussi.
Mais j'en ai tellement peu que du moment que j'ai pas un doublon, je suis heureux. J'en suis là. Ah ouais, bravo Vulmé. GG. Allez, putain, mais ça drop comme Jaja en guilde. Hein. Enfin, il y a la judge qui sait, on a eu trop. Enfin, comme Jaja. Quand même. Eh bien, ce sera un Gunther. Bon, allez, on y va. C'est sans plus attendre. Le premier, on espère vraiment un proc sur le premier. Et c'est le proc. Donc déjà, ouf, je suis tranquillou. Donc le proc 4 étoiles, peut-être qu'on va aller chercher donc un mob qui ne l'a pas, j'espère vraiment. Le 4 étoiles sera... Tu l'avais pas. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Tu vas peut-être pouvoir t'amuser avec RTA. Ah ouais. Ok. Bah ouais. Une petite Maya. Pour le souvenir, on va faire un petit clip quand même. Ça, c'est fait. On enchaîne avec le second. J'espère vraiment du proc encore. Hein. Et pas de proc, malheureusement. Donc là, on va te souhaiter quoi? Qu'est-ce qu'on se fait dans ce cas-là? Une céleste? On va te souhaiter une céleste, c'est ça hein? Je crois qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut souhaiter. Un Godax. Eh bien, on sort une Otili. Bon, allez. Tu l'avais déjà et tout. Bon, en soi, c'est cool. J'ai tous les 3 étoiles. Tu repars les avec. Les 3 étoiles, j'ai. Ah, tu les as tous, donc c'est réglé. On va aller voir en pack rapidement. Excuse-moi, je squatte un peu ton compte. Mais Festival Pénune, pack Molagora, donc qui est là. Non, il est plus là. Il est plus là? Je l'ai devant mes yeux. Non, il est plus là, je te dis. D'accord. Ok. Il l'a déjà acheté. Ah oui, d'accord. Pff, qu'il est cool. Moi, je vais te faire arnaquer, il n'y a pas eu de pack, Molagora. Bon, les gars, c'était plutôt pas mal, mais j'aurais bien voulu faire l'exploit quand même du double proc sur le ML, mais bon, t'as un mob que t'as pas, donc je sais pas. C'est très bien. C'est... Franchement, t'as eu un proc, si tu savais à quel point j'en ai rarement.